Bon. Résultat des comptes, on en est où? On a Julian, soyez à la maison. Deux enfants sur trois malades. Julian, parce qu'ils font les deux. Deux enfants sur trois malades. Un délire. Un délire. Et toi, t'es un peu malade aussi, quand même. Mais elle est malade. Toujours pas? Non, ils répondent pas. Je crois qu'ils sont tellement overbookés que carrément ils coupent. Mathis, cabinet médical, bonjour. Un instant, je vous en. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous pour ma fille. Alors, si c'est possible avec notre docteur. Les amis, souvenez-vous, ce sont les derniers jours pour participer au concours que je vous ai posté sur mon feed, un concours en collaboration avec Chaussea pour permettre à trois d'entre vous de gagner un bon d'achat de 100 euros. Je vous montre du coup, j'ai aussi pris cette paire de bottines vernies pour les fêtes. Ils ont d'ailleurs toute une sélection avec des escarpins trop jolis, des bottes, des talons. Et si vous aimez tout ce qui est vernis métallisé, vous allez vraiment adorer. Je trouve qu'en vrai, elles sont trop top. Elles peuvent aller autant avec une robe, une jolie jupe, un truc très festif, et autant avec un joli pantalon aussi. Non, franchement, j'adore. Alors, rassurez-vous, les hommes ne sont pas oubliés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Des petites bottines un peu de ville, très élégantes, ça change. C'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à les voir. Et moi, je vais vous repartager mon jeu concours juste après. Tata. Je vais mettre les bâtonnets. Oui. Swatch, tu m'aides à mettre les bâtonnets? Je veux pas. En fait, vous voulez jouer, mais vous mettez pas les bâtonnets. Non. C'est ça? Non. En fait, c'est moi qui vais me battre tout ça le boulot, quoi. Tata. J'ai compris, les gars, j'ai compris. Moi, je me tape tout ça le boulot et après, vous kiffez. C'est ça, en fait. C'est ça la vie de parent. Tata, wittiti, tata, wittiti. C'est la vie de parent. Bon, je suis un petit peu à la bourre niveau petit-déj, mais aujourd'hui, il n'y a pas de règles avec des enfants malades. J'arrive, mon bébé, j'arrive. Il n'y a vraiment pas de règles. Donc, ça va être petit-déj maintenant. Voilà. Bon, du coup, comme toujours, les pancakes de chez Soché, je vous montre la compo. Parce que je la trouve particulièrement excellente. Voilà, comme ça, vous pouvez bien regarder. Nutri-Score A, 100% français. Protéines, fibres, il n'y a pas de sucre, pas de gras, pas de gluten. Voilà pourquoi je les adore, ceux-là. En plus, ils sont excellents. Et je rajoute toujours les pépites de chocolat pour avoir le petit côté encore plus gourmand. Regardez-moi celle-là. On ne peut même plus manger tranquille. Elle vient, elle passe par là, elle chope mon pancake. Comment ça, je chope ton pancake? Ton pancake. Elle a déjà déjeuné, mais t'es sérieuse, non? Mais quoi? Moi, quand je déjeune, ça prend 3 heures. Bon les amis, j'ai un souci.
ce matin même, je vous ai dit, je vais bien manger la semaine avant Noël. Ok. C'était juste pour se resituer les bêtises que je dis. Donc, j'ai archi mal mangé aujourd'hui. Mais archi mal mangé. Et là, on est sur des pâtes carbonara. Voilà. Alors, s'il vous plaît, évitez-moi. Il n'y a pas de crème. Je les aime avec de la crème. Point. Voilà. Que ce soit des vraies, des fausses. Tout ce que vous voulez. Je les aime avec de la crème. Je ne les aime pas avec le jaune d'œuf. Non. J'aime celle-là. Et en plus, allez, viens. Voilà, viens te vanter. Viens te vanter. Tu peux préciser que c'est pas n'importe quelle pâte carbonara que tu préfères par-dessus tout. Oui. C'est-à-dire qu'elle est fait très bien. Et vous savez que quand je m'étais fait opérer des amygdales, le premier repas que j'avais mangé, c'était ça. Elle me les avait fait, elle me les avait mixés. Elle me les avait demandé, j'avais dû lui mixer quand même. C'était de la purée de pâte à la carbo. Mais c'était génial. Voilà. Et est-ce qu'on peut se dire quand même que je suis en train de manger solo parce que madame, elle mange pas maintenant. Voilà. Donc c'est super. Hein. Voilà. Et en plus, elle me dit quoi tout à l'heure? Oui, il faut que je mange tôt, c'est mieux pour la digestion. J'avoue. Alors moi, je dis, je vais manger bien cette semaine avant Noël. Elle a dit, faut manger tôt pour la digestion. Au final, rien. La petite souris, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite souris? La petite souris, vraiment, il y a une souris dans le bain? Ouais. T'en as déjà vu, toi? Non. Il n'y en a pas de souris dans l'air. Il n'y en a pas quand même. Il n'y a pas de souris dans l'air. Elle est mignonne, cette brosse. Mais elle sert à quoi? Sert à quoi cette brosse? À brosser les dents. À brosser les dents? Non. À gratter les fesses du monsieur cochon? Non. Ah ouf. À faire voler monsieur chat? Non. Ah mais non, mais elle sert à brosser les dents de... Julia. Toi aussi, il faut que tu brosses les dents aussi. Ouais, encore moi.